Le ministre d'État à la communication Edgar Anissem Boumboumiyaku a été auditionné hier par les députés membres de la commission de la communication, de l'information et des technologies numériques. Il était question pour le membre du gouvernement de soumettre pour examen et adoption le projet de loi portant réglementation des transactions électroniques au Gabon. Priska Nkamabekale, Timboulengi. Donner au numérique une base juridique afin de sécuriser les échanges qui se déroulent en son sein, c'est tout le sens du projet de loi portant réglementation des transactions électroniques en République gabonaise qu'est venu soumettre pour examen et adoption aux honorables députés, membres de la commission de la communication, Edgar Anissem Boumboumiyaku, le ministre d'État, ministre de la communication et de l'économie numérique, qu'accompagnait sa déléguée Gisèle Akoga, épouse Toutoumesson. Ce texte de loi vise, entre autres, à consacrer la liberté de communication en ligne, consacrée dans un double souci d'efficacité et de sécurité, de l'écrit électronique comme équivalent du support, l'écrit électronique comme équivalent du support papier à plusieurs niveaux, obligations conventionnelles, preuves, signatures et facturations, harmoniser les règles régissant les relations contractuelles nées par voie électronique, dématérialiser les formalités et les procédures, notamment dans le cadre des démarches administratives. En saluant l'action du gouvernement pour avoir initié ce projet de loi qui est d'une importance capitale, ont-ils dit, les honorables députés n'ont pas manqué de soulever des préoccupations en rapport avec le phénomène de cybercriminalité. Une pratique dont l'État gabonais viendra à bout par la mise en place des data centers, a annoncé le membre du gouvernement.